Bonjour à tous, bon dimanche. Ce matin, Lily, tout se peut. Elle est en train de déjeuner, mon grand est en train de dessiner. Après. Oui, on va aller au magasin prendre en photo. Après, et on va jouer un petit peu aux jeux vidéo ce matin, oui. Oui. On est en train d'avancer Pokémon, vous savez, tous les week-ends. Et là, on va aller chercher le sixième badge aujourd'hui. Les gars, je comprends plus rien à TikTok. Voilà, je vous dis la vérité. Je suis là, je travaille des vidéos, ça me dure 4 heures, 4-5 heures certaines. Il y en a, elles montent à 20 000 vues. Et hier, je poste un truc, ça me dure 10 secondes à filmer. Ma tenue pour sortir, je fais 500 000 vues, je me réveille ce matin, je comprends plus. Voilà, je comprends pas. Expliquez-moi si sur TikTok, il faut pas trop travailler. Mais je suis... En tout cas, merci, mais... J'aurais préféré l'inverse, quoi. Allez, en route vers le badge de glace aujourd'hui. On a envoyé du coup un Arcanum, bien entendu, car on connaît les faiblesses de l'adversaire. On est en plein en train d'essayer tous les pantalons. Vous savez qu'à Dubaï, nous, pantalons, il n'y en a pas trop. Hein. La semaine, ils sont à l'école, donc ils sont en tenue d'école, donc en uniforme. Et le week-end, ben, c'est souvent short, hein, parce qu'il fait chaud. Et à la limite, jogging. Mais non, mais c'est à cause de l'école, hein, parce qu'ils sont uniformes. Ah oui, parce que ça... Enfin, oui, c'est pas cause, mais si... Donc là, on est en train de faire les tests des pantalons. Il y en a plein qu'on n'a jamais mis et il y en a plein que ça va. Alors, comment s'habiller aujourd'hui? Mylon, montre comment s'habiller aujourd'hui. Quoi? Montre-moi. Maman, elle a préparé toutes les tenues pour Noël. Toi, tu t'habilles comme ça? Ça te va, ça? Non. Ça te va pas? Oui, oui. C'est papa qui a choisi? Oui, j'aime bien. Ah. Mylon, montre-moi. Ouais. Franchement, merci. En ce dimanche 11h26, tu m'as mis des frissons. Tu m'as ému. Franchement, la vie de la mère, méchant message. Je t'embrasse. Bon dimanche. La robe de Liwen était trop petite. Elle est grandie trop vite, elle aussi. Il veut pas quoi? C'est moi qui vais gagner. Ah ouais, c'est moi qui vais gagner. Ouais. J'ai gagné. Ah, c'est pas grave, t'as gagné papa. Viens, regarde. On a perdu ensemble. C'est pas grave. T'es jaloux toi aussi, hein. Allez, on va aller au mall prendre en photo toutes les photos de tous les jouets qu'ils veulent pour Noël, qu'ils vont vouloir faire pour la liste du Père Noël. Ensuite, on va imprimer ça, on les mettra dans la boîte à lettres là, et voilà. Et comme ça, le Père Noël y passera et il essaiera d'emmener le maximum de cadeaux, pas tous, parce que y a beaucoup d'enfants et du coup, il peut pas tout avoir, sinon c'est trop facile la vie. Et donc voilà, ils feront un choix. Et voilà, ça va être sympa. J'ai hâte. Et nous, quand c'est qu'on fait notre lettre au Père Noël? Ça tombe bien? Oui. Déjà? Ça y est, on est parti au repérage. Allez, on est au resto avec les enfants. Maman, elle est en train de prendre en photo tous les cadeaux pour les envoyer au Papa Noël. Et voilà. Du coup, au moins ça c'est fait. Et après, on va se manger et après, on va aller se passer une après-midi dans le mall, en fait, dans l'aire de jeu qu'il y a dans le mall, hein, tout simplement. Ils sont gentils comme tout. Tu veux déjà le dessert? C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un truc de fou. Mais maman, c'est son anniversaire qui parlait déjà de nous. Kiffe ta pizza et une fois que tu auras fini ta pizza, si tu as encore faim, on va pour le dessert. Bon appétit, mes anges. Waouh, grosse pizza là-haut. Oui. Tu vois, tu n'as même pas mangé l'entrée et le plat que tu. Non? Mylon, il est un peu comme ça, maman. Hein, il laisse les trottoirs comme ça. Hein. Aidez-moi. Tu peux couper avec. Nous, on mange pas parce que Jess, elle voulait manger des sushis. Donc, du coup, là, les petits mangent des pizzas et on va aller manger des sushis. Et elle a craqué. T'as craqué. Non, mais je voulais pas. Tu voulais pas? Ben ouais. On t'a forcé, on t'a mis. Mais non, regarde, on est en train de manger. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là avec le Zlat? Comme un cœur, il est arrivé avec son petit garçon. Trop beau. Voilà. Voilà, hein. Merci mon Luffy, moi aussi je t'aime. Alors cette glace au chocolat et caramel, c'est bon? Oui. C'est très très bon? Oui. Ah. Allez à la maison, pour comme ça vous allez pouvoir regarder un peu la télé du dimanche. Non. On a joué ce matin une heure. Allez, on y va. Allez, on y va. Bon les frères, on vient d'arriver à la maison, on a bien kiffé. Là je suis en train de préparer mes tenues pour mes vidéos de la semaine prochaine. Je vous ai préparé des tenues, les frérots. Vous êtes bien beaux, là, comme ça. Dans ce H&M homme.
Télé, eh ben, y a pas de télé là. En face de vous, il y a des bols. Il y en a un qui m'a demandé de faire des flows avec des Santiago. La vie de ma mère, j'ai reçu des Santiago, les frères. Je vous ai préparé deux outfits du Turfu, frère. Ils sont prêts, réglés. Je vais répartir ma petite semaine sans me brusquer. Comme ça, je peux me faire plein de choses à la fois, plein d'autres trucs, travailler sur mes marques, mes trucs. Et au moins, ça, je suis concentré dans plein de choses. Voilà, donc le lundi, c'est... demain, je tourne ça. J'ai trop hâte. Et là, je suis en train de réfléchir à quelle autre vidéo. Je vais les tourner les deux. En fait, en gros, je vais me caler un jour où je tourne 2-3 vidéos, toutes les vidéos de la semaine, le lundi par exemple. Et comme ça, après le reste, je mets d'autres choses, des petits contenus assez faciles comme j'ai mis hier là. Et comme ça, allez, dimanche soir, moi je suis sous So Shape. Les enfants à table, lasagne. Un truc que je vais faire, je vais trouver. Eh bien écoute, les plats hyper sains, ils sont toujours là, hein. Tout est toujours là. On a juste mangé une pizza à midi, les enfants mangent une pizza en tant que dimanche. Je sais pas si on a le droit, tu me diras. Non, ben celui que j'ai mis là sur TikTok, je suis sorti normal avec. Hein. Avant-hier, quand ma femme elle est partie, elle est sortie avec ses copines. Moi, je suis allé avec des copains. Mylan, il est né en 2019, en octobre 2019. Le Covid, c'est en 2020, en effet. Et du coup, ben, il avait un peu moins d'un an. Je t'ai habillé normal comme ça. Normalement. Bon, qu'est-ce qu'on a eu ce soir, là? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'on a eu? On s'est régalé ce soir. Hein. Deuxième drac au feu de la collection qu'on arrive à avoir. Mais toi, oui. T'as réussi à avoir le gold, hein, le plus rare. Oui. C'est toi qui l'as eu, on en a à l'école la semaine dernière. Et voilà, donc avec une collection de 2 dracs au feu sur le nouveau jeu Pokémon. On a eu même un bulle bizarre. Bon, Mylan, t'es content? Celle-ci, c'est belle carte. Hein. T'es content? On a eu aussi ce bulle bizarre ce soir qui était très très sympathique. Donc là, on est sur une belle collection. Hein. Et on va pas nier que celle-ci, là, celle que Mylan m'a chopée là, 0,0053% de chance de l'avoir. Et on l'a eu. Hein. Bon. Je ne comprends pas Snapchat, même. Je sais pas. Bon, les enfants couchés, ça fait du bien. Ça fait du bien des fois. Fatigué, pleurer, crier. Voilà, vous connaissez les darons. Bref, désabonnez à toi. Ah, je sais, il y a un bug depuis. Enfin, c'est pas un bug, je sais pas. Tous les jours, j'ai des gens qui se plaignent que ça se désabonne automatiquement de ma femme et moi. Je ne comprends pas. Vous êtes dur. Hein. Vous allez loin. Vous allez loin des fois. Oh. La maison de poupée, la maison de poupée, c'était plus un truc de déco. Mais elle vient des fois et elle joue. Voilà. Ça peut te rassurer. Vous êtes. Je t'en bien. Allez, je suis parti en golfette. Non pas pour aller chercher des Raffaello comme à l'époque, mais pour aller chercher des œufs et des avocats parce qu'il n'y en a plus pour les enfants demain pour le petit déjeuner. On s'est rendu compte de ça maintenant. Donc je suis allé en express en chercher pour que demain puisse se déjeuner. Et du coup, je me rends compte que là, il fait très très bon le soir. Et donc, je prends l'air en même temps. Les amis, notre vidéo du dimanche sur YouTube est sortie avec ma femme. On cuisine un tiramisu, vous avez bien compris. Et pas ensemble, en compétition l'un contre l'autre. Et un des deux doit gagner et c'est les enfants qui vont juger. Ça se passe ici sur YouTube, on attend vos commentaires.